Ouh. On va laisser respirer le crâne cette fois-ci. Bonjour à tous et merci de regarder les vidéos comme d'habitude. Donc vous n'oubliez pas, abonnez-vous un petit peu partout, Sneakmart, le Spotify pour les podcasts. Salut Max si tu regardes. Insta, Twitter, bref, aujourd'hui c'est pas le but de la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la miniature, aujourd'hui on fait un jeu, un concours, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai décidé de faire un jeu pour vous. À l'heure où j'ai posté cette vidéo, nous sommes le 18 et demain, ce sera tout simplement les 1 an de la chaîne. Et bah pour ça, j'avais envie quand même de faire plaisir à tout le monde ou à celui qui va gagner, parce que je vais vous expliquer. Et pour ça, je voulais organiser un petit jeu. Donc pour l'instant, le jeu est très simple. Dans l'idée, c'est la chose suivante. Vous allez devoir deviner, parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si simple de deviner les paires que j'achetais surtout au resell, en parlant avec des gens sur Twitter, donc des gens de ma TL. Et donc je me suis rendu compte que c'était pas si simple de deviner mes paires, et parce que c'est pas si simple, je me suis dit que allez, il allait avoir un petit challenge, se dire ouais, je vais essayer de deviner la paire que Melvin il va unboxer, que Melo va unboxer. Donc l'idée est simple, je vais présenter une vidéo dans une semaine, donc un unboxing, et dans cet unboxing il va y avoir une paire. Je vous laisse l'occasion de deviner la paire. Quel est l'intérêt pour vous d'aller deviner la paire? Si vous devinez la paire, ou le premier qui va deviner, ou la première qui va deviner la paire, gagnera une paire, celle qu'elle veut, peu importe, tant que ça dépasse un montant de 300 euros. Donc je dis bien 300 euros, que ça soit retail ou resell. Si vous me dites aujourd'hui vous voulez une paire de 199 resell, je vous la prends. Les frais de port, vas-y, je vais peut-être être généreux dessus, je vais y réfléchir. En tout cas, voilà. Dans l'idée, c'est vraiment sur coût d'achat, on va dire, de 299 euros. Le reste, après, les gars, vous. Et je passerai pas par GOAT, hein. Je préfère vous dire, je ne passerai pas par GOAT. Dans les règles du jeu, très 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 simple vraiment, je vous demande trois choses. La première, abonnez-vous au compte YouTube, je pourrais pas vérifier, mais surtout à la page Instagram pour que je puisse voir au moins ceux qui ont participé qui sont abonnés, parce que quand même. Ensuite, de deux, que vous partagez dans votre story, surtout que vous mentionnez pour que je puisse voir qui a fait quoi et que vous avez pu respecter les conditions. Et enfin, numéro 3, bah, pour que je sache qui a eu la bonne réponse, il faut quand même que vous ayez l'occasion de pouvoir commenter, ou que vous puissiez commenter la photo en question, et que vous mettez votre réponse. D'ailleurs, ce sera une réponse par personne, donc choisissez bien, ne faites pas d'erreur. Surtout, bélec à ceux qui vont supprimer leurs commentaires et qui vont les remettre plus tard. Je suis vicieux, je vais screen. Fort. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous ajouter de plus? Bah, je vais quand même partir en vous donnant un indice, mais juste avant, je tiens à vous préciser, ce que je fais là, je le fais parce que ça me fait kiffer de ouf, et surtout que bah, je trouve que j'ai un bon début de bonne communauté, donc on continue là-dessus. Restez vous-même, changez rien, vraiment, venez comme vous êtes, on est chez McDo ici, même si je préfère Bécard. Débat parallèle. Bref, on le refera quand même peut-être 2 à 3 fois par an, parce que je sais plus si je l'ai dit, parce que ça me fait vraiment kiffer. Bref, voilà, je vous ai donné les règles du jeu, j'ai rien oublié. Peut-être qu'il y aura un hashtag entre temps, d'ici là, j'y ai pas trop pensé. J'avoue que je sais pas trop si je vais mettre un hashtag en plus. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus, je vous laisse un petit indice. Dernièrement, j'ai acheté une 327 Paisley. Vous savez mon amour pour le Paisley. J'ai laissé des petits indices sur la paire en question sur quelques réseaux sociaux, je vous laisserai trouver. Franchement. Bonne chance à celui qui veut chercher. Peut-être que j'en ai parlé dans une vidéo. Qui sait? Mais en tout cas, ouais, y a des petits. Le seul indice que je peux vous donner pour l'instant, c'est Paisley. Si je vois que ça se gâte pour vous et que c'est trop difficile et que personne n'a eu la réponse, je donnerai un indice en plus. Mais d'ici là, débrouillez-vous avec ça, les refs et les filles aussi. Bref, débrouillez-vous ça avec. Bref, débrouillez-vous avec ça d'ici là. Sur ce, moi, bisous à tous. Cœur sur vous. Bisous. Ciao. Et surtout, bonne chance.